Voilà. Bon, c'est une sortie vidéo bien rapide que m'a fait encore. Et d'abord, moi, salut tout le monde qui branché live ça. Et tout ça m'a dit en retour, c'est abonner à page. Et nous capables certainement juste cliquer sur et follow ou subscribe ou bien et nous capables like page. Aimer en français, bien sûr. Souhaiter que nous capables faire tout ça yo, pour nous permettre que nous gagnions plus de monde qui suivent Pajan, qui permettent de nous grandir Pajan. Et c'est peut-être l'objectif là pour l'instant. Et c'est pas des bagages que moi-même demandé. Et donc, mais c'est un objectif, moi, peut-être faire passer ça vienne plus grand et plus populaire et à travers abonnement. Donc, si nous cap subscribe et nous capables like, nous capables abonner, nous capables aimer, nous capables follow, nous capables suivre, dépendamment et qui langue device que vous avez utilisé ou bien appareil vous avez utilisé ailleurs. Certainement, vous avez souhaité dire ça en espagnol. Et bon, ça va marcher. Parmi tant de questions que nous avons recevoir récemment là, c'est combien de temps vous êtes capable d'attendre avant que pour appliquer pour cadre de travail, les fin fait asile. Ces questions, ça va répondre aujourd'hui. Hein? Mais tout d'abord, bon, je vais rappeler tout le monde que je ne suis pas un avocat, mais j'ai gagné des connaissances ou bien certaines connaissances sur comment on est capable de remplir l'application et qui a un rapport à l'immigration sous toute forme. Ce n'est pas seulement asile, donc toute qualité et forme on est capable de remplir. Et j'ai remarqué que moun ki konnen mwen fè sa deja yo et moun ki apprenn pou konnen la voye plus kesyon ke mwen-menm bon kote pam et an tan zè lye donc m cherche repons yo et m'ap pataje yo avec nou au fur et à mesure. Mais si nous besoin avocat certainement genyen de moun ki spécialisé nan immigration et nous capable toujours contacter mais puis mettez nous en contact avec et avocats qui de toute nation, que ce soit citoyen étranger, que c'est un haïtien, donc toujours conseiller au monde et prendre avocat immigrant, spécialement avocat qui est haïtien, et non seulement pour nous encourager avocat nous au monde qui fait études, et mais tout c'est parce que ils comprennent système non, ils comprennent les aussi immigrants. Et que ce soit abdi en basé sur des faits réels ou bien imaginaire des abdi, yo capable d'arranger les pour capable dans forme qu'il faut pour leur soumettre les immigration que et agent immigration capable analyser le ouais toute évidence ou bien coordonner. Alors que si vous avocat étranger, on va dire que un avocat qui fait ici lever ici qui va jamais voyager dans pays étranger du tiers-monde et qui pas comprendre comment ça fonctionne, m'a dit qu'elle va faire tout non parce que c'est des gens qui passent le temps à l'école et donc ils apprennent et puis avec expérience et tout, mais peut-être dans le contexte où vous voulez expliquer l'histoire là, il y a possibilité que ils pas arriver à faire comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que et leur besoin avocat c'est mieux que et moi t'a conseillé nous prendre immigrants spécialement haïtiens. Question à répondre aujourd'hui, hein, et c'est combien de temps on monde doit prétendre à l'elfin fait asile pour appliquer pour cadre de travail. J'aimerais dire, hein, pas oublier que pour nous aider à grandir Chanel ça, bah, partager et puis pour nous abonner avec, subscribe, follow, aimer, toute façon. Donc c'est que pour nous capables permettre moins à grandir Chanel là, bah, plus mon opportunité pour ouais et plus mon car ouais nous tout. Donc c'est objectif personnel là, mais objectif et collectif là, c'est partager plus d'informations et atteindre plus haïtiens pour aider nous dépenser moins dans la question immigration. Et le fait qu'il y a tellement de vidéos et tout, bon, au final, on dit, bon, faut qu'il y ait des gens qui font des vidéos qui basent sur des faits
et qui empêcher nous de faire des dépenses inutiles ou du moins perdre l'argent dans l'immigration parce que c'est pas possible. Et je ne peux pas commencer même en anecdote. Et pour moi, dire non que quelqu'un qui même pensait qu'il a payé un magot et on va quelconque dans l'immigration ou bien dans l'ambassade des États-Unis pour bénéficier de un visa. Non, pas gain ça, non, pas gain ça. Donc, on souhaitait que pas gain personne qui souhaitait faire ça. Ma première question, non, et ce qui c'est combien de temps yon monde doit prendre l'elfin fait asile pour l'appliquer pour carte de travail. Donc, et carte de travail là, et avant président Donald Trump te prend pouvoir en fait élu en 2016 et commencé dans tête pays en 2017 janvier 2017 normalement on qui a appliqué pour asile t'es capable de retendre 150 jours ou bien 5 mois pour l'appliquer pour carte de travail et Donald Trump t'a changé il t'a vite mettre 365 jours mais pour qu'on y a retourner encore 300 retourner encore pour seulement 150 jours, équivalent de 5 mois, pour tendre avant que vous puissiez appliquer pour carte de travail. Là où vous faites asile, il faut que vous comptez. Pour carte de travail, là, vous supposez compter le nombre de jours à partir du moment que vous recevez receipt là. Donc, receipt notice là. Si vous faites online, tant mieux, parce que si on va recevoir exactement, même spontanément, aussi de confine fait et application online. Mais si vous faites les sous papier, vous voyez par la poste et attendre que la poste prenne 2 à 3 mois avant que, en fait, immigration qu'attend 2 à 3 mois pour être capable de répondre nous. Et les répondre nous qu'on y a dans 2 à 3 mois. Et donc, il y a vraiment le faire en pointe. Et après, en pointe là, c'est laisse à tout ou garder dans 8 sites notice là que yodo qui priority date, qui date prioritaire qui sous papier ça. Et dans priority date là, et à partir de là, on commence à compter 150 jours là. Aussitôt qu'on arrive à 150 jours, peut-être yon 2 semaines avant 150 jours, ou déjà éligible pour remplir formulaire là, ou voyez par la poste. Et donc, c'est laissant ou capable d'appliquer pour le cadre de travail là 150 jours. Pour l'instant, et dans le moment où je vais enregistrer ça, ou maintenant faire ce live ça, je suis capable de dire que cadre de travail là ou fait sous 150 jours, peut-être si vous regardez des vidéos ça dans l'autre temps qui pas correspond à mois octobre 2022, eh bien, il est capable de changer dans l'immigration. Pas oublier que décision dans immigration yo policies règlement immigration yo changé et 2 ou 3 fois non année donc et m'pas souhaiter que son moun y a de ça dans 5 ans et puis il dit 5 ans de cela docteur Germain te ba menti donc m'souhaiter que c'est pas le cas OK donc c'est comme ça et pour faire asile là j'en moi dire certainement nous au besoin gagner un receipt notice là. En fait, pour faire carte de travail là, vous avez besoin d'un receipt notice qui prouve que vous êtes déjà appliqué pour asile. Vous avez besoin de photos d'identité ou même de photos passeport. Vous avez besoin de copie passeport. Ou son monde qui est entré légal, donc vous avez besoin de copie passeport de cover to cover. Vous faites toute page, y compris la page de couverture là. Et ou besoin un ancienne carte sous des gains tout pour avoir une copie de ancienne carte là bien sûr et ou capable de voir ça et ou besoin me dit receipt notice copie passeport et copie carte de travail sous des gains déjà 2 photos d'identité OK donc ça veut tout ça yo supposé aller dans l'enveloppe là et sous entrée légal ou gagner I-94 c'est obligatoire pour mettre I-94 à la donne et sous même coup pas d'entrée légal qu'on y a là ou t'es entré sous frontière et Mexique États-Unis que ou t'es sous Brésil ou bien Chili et bien laisse un ensemble de documents ou t'es bas ou l'autre traversé frontière là que ou t'es déjà soumettre l'autre fait asile là
ou pas utiliser document ça autour. Donc aussitôt que yon moun di ou bien ou di yon moun que ou besoin pour les deux nan fait asile ou assure que ou gen document ça en main, c'est deux photos passeport, receipt qui montre que ou t'es appliqué pour asile là et un ID for I-94A et qui montre que comment t'es traversé, comment arrivé ici et ou besoin aussi photo passeport cover to cover. Bon, certainement, et après on a demandé et comment comme ça a coûté. Non, l'offre asile pour premier cadre de travail là ou pas payer pour lui. Donc ça c'est information que et partagé avec nous qui en vigueur pour Konya là. On nous dit octobre 2022 et ou pas besoin payer pour un cadre de travail. OK. Bon, Konya si c'est non l'autre période, OK, peut-être la différent, mais pour l'instant, premier cadre de travail là pas payer pour lui. Là renouveler cadre de travail là certainement et ou pas besoin payer et pour renouvellement. Donc nous focus uniquement pour cadre de travail sous asile. Maintenant, si ou besoin connait comment ça marche pour l'autre qualité cadre de travail que ce soit les ou marié ou bien que ou t'ai fait TPS parce que n'a venir avec l'autre vidéo sur ça parce que on nous dit que chaque vidéo ne pas supposé trop longue et chaque live ne pas supposé trop longue que ça permet que tout le monde rejoigne réponse à question posée directement mais c'est dans l'autre vidéo que m'a venir et pour l'autre type de cadre de travail yo. Mais ça qui est sûr pour asile l'offre asile ou supposé attendre 150 jours ou bien 5 mois pour appliquer pour cadre de travail. Cependant moun qui traverse frontière Mexique en États-Unis pour entrer ici qui sorti Brésil aller oui peu importe côté sorti hein OK donc sous sorti yon côté par exemple sous sorti sous frontière Mexique États-Unis OK l'on traverse frontière Mexique pour entrer ici États-Unis y a possibilité ou déjà admis avec parole là son lettre barreau en lieu et place de I-94 ou I-94 ou bon parole et gen moun ki vini tout avec I-94 laisse ça sous papier ça ou pas entrer comme touriste parce que ou déjà exprimer intention pour rester dans pays ou bien pour appliquer pour asile. Donc c'est vrai que c'est un juge qui va déterminer si oui ou non ou éligible pour rester dans pays mais en attendant, yo dit que yo bon papier ça ou ka rete dans pays pour 1 an. Donc pendant période ça ou même ou pas besoin retendre 150 jours pour appliquer pour cadre de travail. Ou ka appliquer pour cadre de travail là aussitôt que ou fin appliquer pour asile ou ka fait tous les deux en même temps c'est pas un problème parce que asile là soit voyez tous les deux en même temps that's fine parce que la pas dans même enveloppe mais soit voyez asile là avant ou besoin fin recevoir reçu asile là l'on fin recevoir reçu asile là receipt là et bien ou mettez dans enveloppe ou en fait ou fait un autre package et puis ou appliquer pour cadre de travail là. Donc, il y a deux options dans la question cadre de travail. Là. Cadre de travail, les ouvini ici de façon légale sont visa touriste. Ou décider de faire asile, même qu'on est entré sur visa touriste là. Sorry. Même qu'on est entré sur visa touriste, mais on décide de rester. Lors décide de rester ou faire asile, ou obligatoirement besoin de retenir 150 jours avant ou faire cadre de travail. Mais si vous traversez frontières États-Unis, hein, Mexique là pour entrer États-Unis, et l'autre traverse frontière là et ou t'es admis avec parole son lettre ba vous dit que ou ka rete dans pays a pour un an et bien sou gen lettre ça ou bien sou boy I-94 ou pas besoin retendre 150 jours pour appliquer pour carte de travail ou capable appliquer pour carte de travail là aussitôt que ou fin appliquer pour asile là que ou gen reçu en main ou du moins ou ka fait tous les deux en même temps gen moun ki pense que le fait que vous n'avez pas parole là, vous n'avez pas appliqué pour un. Il y a encore, vous avez juste appliqué pour carte de travail à la social sécurité. Il n'y a pas marché comme ça, malheureusement. Donc, bon, je dis, par rapport à ça, je connais, il n'y a pas marché comme ça. Donc, peut-être, il y a des bagages que un avocat
connaît pas connaît et si nous contactons un avocat il ca dit mais c'est pas tant qu'on monde qui pas gain expérience dans ça qui en dit on dit que gain monde rencontré yo te dit yo gon monde qui dit yo et l'homme de qui monde qui dit un monde qui était sur route à marcher sur Brésil à Chili ensemble avec. Donc un monde qui a marché sur Brésil à Chili ensemble avec, c'est lui qui a c'est lui qui conseille dans l'immigration. Bon on imagine écouter ça mais non. Ouais. Donc c'est ça paraît un peu insensé. Donc OK, parce que moi pour une question non, c'est surtout ça me déçoit discuter ensemble avec nous, c'est un combien de temps ou doit attendre pour appliquer pour carte de travail à pour faire asile si on est entré légal ou du moins dans période où t'entrer ou pas admis sous parole, eh bien on suppose retendre 150 jours. Qui c'est 5 mois pour appliquer pour carte de travail après l'on fin appliquer pour asile et ou bien reçu que ou appliquer pour asile là en main. Si ou traverser frontière de façon illégale mais agent immigration qui était fait interview avant là libre ad libre faut entrer sous parole, ça veut dire bon lettre qui dit qu'on carte dans pays pour un an ou pas besoin de retendre 150 jours ou capable faire carte de travail là aussitôt que ou entrer aussitôt que ou fin fait asile là ou bien on ka fait tous les deux en même temps mais on pas ka voyer carte de travail là sans que ou pas faire asile à moins que pendant tu traverses sous frontière tu déjà fait asile yo bon reçu qui dit que ou appliquer pour asile qui soit besoin pour faire asile carte de travail là d'abord si c'est premier carte de travail ou besoin document immigration pour traverser frontière avec là ou bien I-94 ou bien lettre qui dit que ou admis sous parole là ça c'est premier. Ou besoin copie toute page passeport yo si ou gen passeport ou besoin deux photos identité deux photos passeport qu'on ka fait dans n'importe qui pharmacie et ou pas besoin payer aucun cop du tout ou pas besoin payer rien pour première carte de travail là maintenant soit renouveler carte de travail laisse ça le payer me souhaiter que me répondre question non pas oublier que yon seule façon nous ka aider moi-même bon côté pam c'est subscribe à channel ça abonner à channel là partager disant moi abonner avec et follow page non sur Facebook sur YouTube OK abonner à tous les deux ou bien like li et continuez vos questions m'a répondre yo au fur et à mesure chaque fois mon petit temps pour me faire ça parce que connexion avec Dr. Germain c'est difficile pour nous capable kembil la façon que nous avons commencé avant, que nous gagnons tout, on rencontre tous les vendredis par rapport à la façon que Oren nous vient et établi pour Kounia, il est extrêmement difficile pour nous faire ça. Moi, je souhaite que je tourne dans une prochaine vidéo pour me répondre à l'autre question encore, pour continuer à soumettre. En attendant, je tourne